fait, moi, c'est... Je suis pas contre, je suis pas pour, en fait. Ok. Oui, les gens se focus sur le côté négatif. Et elles apprennent bien naturel dans le côté positif, tu vois. Mm-hmm. Par exemple, si tu mets un projet en place, forcément, les avantages, les inconvénients, et les inconvénients aussi. Mais le gars qui copie, il est plus focus sur voilà, le côté positif, quoi. Tu vois. Mais nous, on n'expose pas le côté, l'inconvénient, quoi, tu vois. Mais là, il prend le projet, il copie, il va échouer forcément. Et là, il va te respecter. Donc, en réalité, c'est quelque chose qui pousse ça, tu vois. Moi, perso, je me débarque de tout ça. Quand tu fais, tu prends mon projet, tu copies et tu échoues, tu vas me respecter forcément, quoi, tu vois. La fois que la personne qui copie notre idée, enfin, qu'elle ait aussi une réussite relative, je prends juste, je ne sais pas quel domaine. Aujourd'hui, la mode, il y a 4-5 ans en avant, elles étaient quelques-uns. Actuellement, par exemple, la couture, il y a beaucoup de maisons de couture. Et on ne peut pas dire qu'ils sont tous en train d'échouer. Non, mais forcément, il y a des gens qui échouent. Oui, bien sûr. Il y a des gens qui sont en train d'échouer. Mais non, tu vois, quand tu chutes, tu reprends, tu prends notre projet, c'est tout. Parce que moi, à la base, je disais tout le temps aux gens, il ne faut pas arrêter d'entreprendre, il faut qu'ils aient changé de projet. Quand tu chutes, change de projet et puis c'est tout, quoi. En fait, il n'y a pas que les vendeurs dans ce. C'est un game, en fait. Moi, je vois comme un game, tu vois. Voilà, donc, franchement, je n'encourage pas, je ne suis pas aussi contre, quoi. Ok. Tu vois. Donc, tu restes sur la ligne de crête. Quelqu'un qui copie, c'est bien. Quelqu'un qui copie pas aussi, c'est bien. En fait, on est tous pas intelligents. Il faut être d'accord. Donc, il y a des gens qui s'inscrivent. En fait, moi, je suis d'accord. Mm-hmm. De t'inscrire, de inter ou de trouver par motivation, je cherche. Tu vois. Mais copier ou les carons, c'est vraiment pas bien, en fait. Mais je peux pas, je suis pas, tu vois, à ce stade pour juger les gens, tu vois. Parce que tu n'es pas moi, je suis pas toi, tu vois. Oui. Tu vois, donc forcément, je dois t'inspirer, quoi. Tu vois, donc, c'est... À un moment, moi, je trouve ça bien, quoi. Il est quand tu continuer à s'inspirer, il n'y a pas de problème, tu vois. Ouais, pas de problème. Mais quand on parle de copier ou coller, toi, tu vois inspiration chez quelqu'un. Direct. Ok, ok. On va passer le micro. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Franchement, c'est là mon avis. Le copier-coller, c'est pas. En fait, c'est pas bien. Ok. Donc, bah, je vais un peu m'appuyer sur ce point. Tu peux t'inspirer, exemple, oui, et dire ou à créer peut-être. Certes, cherche à l'exploiter. Comment faire le sortir ça en moi? Il faut avoir confiance en toi. Ok, si tu as l'esprit entrepreneurial, oui, je vais me lancer et faire des créations, etc. Mais tu n'as pas besoin de copier-coller. Déjà, alors que tu as une aspiration, que oui, tu veux être entrepreneur, ça veut dire que tu as quelque chose déjà en tête et que tu aimerais lancer sur ça. Donc, je vois qu'il suffit d'être focus sur tes besoins, c'est que tu en as au fond de toi que tu veux exploiter, faire ressortir, c'est tout. Mais en tout cas, copier-coller là, c'est là. Mais parfois, il arrive qu'on veuille entreprendre et qu'on se pose cette question, qu'est-ce que je vais faire? Et même quand on parle d'inspiration, ça va jusqu'à où? Parce que faut pas... l'autre, il a mis un, deux, trois, et moi, je mets un, deux. Et je mets un 3, je ne sais pas, un peu plus grand ou juste un point au-dessus du 3. Ça. Il y a une petite modification, mais c'est quasiment la même chose. Au fait, me lancer dans l'entrepreneuriat, ok? J'ai besoin de me lancer dans l'entrepreneuriat, je ne sais pas comment faire, ou bien je n'ai pas d'inspiration. Mais il y a d'autres gars. Bien sûr, c'est les gars. Voilà, c'est la vie, c'est le business. Avant ça, tu dis que l'inspiration commence à venir, mais l'inspiration est naturelle. Elle est naturelle, elle vient comme ça. J'ai vu la chose, oui, elle est belle, je m'inspire de ça. Il y a des idées qui vont entrer directement.
Il n'y a pas de, ok, je ne sais pas, il faut que je puisse avoir un guide ou bien quelqu'un. Non, ça vient naturellement, l'inspiration. C'est lui qui est tout celui qui te dit que oui, je m'inspire. Certes, tu peux t'inspirer à partir de quelqu'un, parce qu'il fait des choses, mais pas que oui, il va me donner son inspiration pour le transmettre. C'est pour ça même si tu copies-coller, j'ai cru que ça va marcher, ça ne marchera jamais. Mais je pourrais m'approcher de la monnaie. Oui, ta marque, elle est belle pour moi, je verrai mieux ceci, ça. Je peux m'inspirer, j'ai une inspiration et voilà quelque chose qui me venait en tête, je verrais que ça. Pourrais-tu me guider dans ce sens pour que je puisse avoir aussi les mêmes démarches que toi et pour que ça puisse donner? Oui, ça se fait. Et aussi, nous les entrepreneurs, nous devons essayer d'autres se rapprocher de nous, afin qu'ils aient aussi plus de vie. Ok. Elle mérite un bonbon. Donc, laissez la place aussi à la conférence. Comment ton avis? Bon, moi, je dirais que il faut toujours s'inspirer. On s'inspire tous de quelque chose. Ok. Et je vais être pas. Donc, on copie tous quelque part. Non, s'inspirer. Et okay. Ça dépend du temps que ça va prendre. Tu peux t'inspirer, mais après. Okay. Et toi-même, toi qui te dis, genre, toi la victime, essaye de. Quand tu innoves à chaque fois, c'est que même quand quelqu'un te copie, je sens que ça va prendre la nuit. Toi, il faut essayer de faire deux autres produits, de sortir deux autres produits par exemple pour nous qui sommes dans l'esprit de l'entreprise. Tu peux innover, tu peux innover. On n'a pas ce mindset-là en fait. Ouais. C'est ça le souci. Ok, mais là aussi, imaginons que c'est moi qui ai commencé à faire Piawata au Niger. Donc moi, je commence business de Piawata, et deux jours, Yacine prend et fait la même chose. Donc, pour moi, est-ce que après deux jours, je dois innover et je vais créer quelque chose d'autre? La manière dont il fait aussi, ça va juste pour. Et non, même de l'enfer aussi. Il faut toujours, genre, il faut avoir de l'aventure sur le copieur là. Ok. Mais là, c'est créatif en fait. Merci. En fait, mon point, c'est pas simple. C'est de réfléchir à aussi. Si les gens copient aussi rapidement que moi j'ai commencé quelque chose, 4-5 mois, je n'ai même pas eu le temps de bien développer le marché. Quelqu'un d'autre vient et rentre dans le marché. Je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire. Il vient et rentre dans le marché. Il chamboule le marché. Moi, je n'ai pas le temps. Et assez souvent, les gens qui copient, quand ils viennent sur le marché, ils vendent toujours moins cher. C'est ça. C'est ça que j'ai dit. Il faut toujours avoir de la. Si tu peux, ça peut être un peu quelque part. Si tu laisses. Tu peux toujours, même les plus grandes marques du monde qui vont copier. Oui, bien sûr. Mais ils ont toujours une longueur d'avance sur le copieur. Donc, je ne peux pas la tête. Moi, je ne sais pas tout à fait. Et du côté du copieur aussi, moi, je ne dis pas que c'est une mauvaise ou bien c'est bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Mais il faut toujours. Il ne faut pas empêcher à quelqu'un de s'inspirer de ton idée. Okay. Comme l'a dit Aziz, tu peux être fier de ça, mais lui le copieur aussi à un certain moment il faut qu'il arrête. Oui, il faut aller toi dans ta créativité, il faut être créatif en fait. Okay. Il s'agit de ça. Ok. Parce que là j'ai une autre question, enfin une autre réflexion qui me vient aussi. Ici, assez souvent, on voit des jeunes entrepreneurs qui appellent. On arrive parce que pour moi la problématique c'est aussi le fait que on rentre dans le marché, on commence à avoir quelques clients, parfois juste au moment où ça commence à marcher, où on commence à s'en sortir, et c'est le moment où d'autres acteurs viennent sur le marché, et quand ces acteurs là viennent, ça met de la concurrence, et quand il y a de la concurrence, assez souvent les clients ils sont malins aussi. Je veux dire, si Yacine avait quelque chose de. Je fais quelque chose, Yacine fait la. Commence à faire la même chose. Bon, si le jour où Yacine est trop tôt, je vais lui dire si c'est moins cher, je vais acheter. C'est la loi de l'offre et la demande. Quand l'offre
augmente, la, enfin, quand la demande augmente, parfois c'est que la demande n'augmente pas et l'offre a augmenté, donc ça casse le prix. Donc ça fait que l'offre suit. En fait, mon point c'est quoi? C'est que assez souvent, imaginons que je suis sur un marché où je commence à avoir 5 clients par jour. 5 clients, quand j'ai 5 clients par jour, c'est assez suffisant pour moi pour que je puisse vraiment commencer à faire un peu de marche. Demain, quelqu'un d'autre est venu, sur ces 5 clients, il a grignoté 20. Donc moi, je ne suis pas riche, lui-même n'est pas riche. Et assez souvent, peut-être c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, on voit beaucoup d'entrepreneurs au Niger, on est très très nombreux, mais très peu réussissent vraiment à gagner vraiment de l'argent, quoi. On gagne de tout quelque chose à gauche, à droite, des miettes. Parce que tout ce qu'il y a sur le marché, on se partage à 5, à 10, à 20. En fait, c'est ça qui vient avec l'entrepreneuriat. Tout le monde ne peut pas gagner. C'est 100 000 qui est bon. Mais là, c'est que tout le monde ne gagne pas. Voilà. Ceux qui ne gagnent pas, ils se cassent. Si tu n'es pas capable de gagner, tu n'as pas ta place. Si tu gagnes, c'est que tu as ta place. Mais si nous tous, nous gagnons 5 000 par mois, si nous tous, nous gagnons 5 000 par mois, mais que nos ambitions, c'est de gagner 1 million par mois, est-ce que je gagne quand même, mais je ne gagne pas assez pour prospérer? Parmi nous, quelqu'un, à un certain moment, va commencer à gagner 1 million, parce qu'il aura eu... je ne veux pas mettre le travail en avant, mais peut-être que sa vision aura été plus grande que notre vision, sa manière de faire les choses aura été meilleure. En tout cas, il aura fait quelque chose que nous, on n'a pas eu à faire. Peut-être que ce n'est même pas le travail. Peut-être que ce n'est même pas le travail. Exemple simple, ici au Niger, gestion de la relation client, c'est de la merde. Les gens vont dans une entreprise, on voit comment on traite les clients. Si tu viens en tant que concurrent, tu commences à bien traiter les clients. Rien qu'à cause de ça, tu as des clients. Rien qu'à cause de ça, tu as des clients. Après, si après ça tu arrives encore à ajouter que tu as un bon produit, tu livres à temps, mais là tu es parti, tu auras 1 million. Les autres ils vont continuer à avoir les 5 000, les 50 000 parce que ils sont mauvais. Et c'est pour ça que l'entrepreneuriat c'est bon. Parce que si tu es bon, tu vas gagner beaucoup. Si tu es mauvais, je suis d'accord. Sur le principe, mais je trouve que ça reste encore dans le domaine plus ou moins de... C'est plus ou moins théorique pour moi. Pourquoi? Parce que moi, ce que je dis, c'est le fait que j'observe sur le marché. Je vois 10 entrepreneurs se partager un même marché. J'en vois 10. Et parfois, depuis 4, 5, 5 ans, ils sont sur le même marché. Bon, quelquefois, il y a un qui sort parce qu'il n'est pas assez bon, mais il y a un autre qui rentre. Donc, c'est le statu quo. Et parmi eux, quasiment personne n'arrive à vraiment s'en sortir. Enfin, ils gagnent quelque chose, mais dans la réalité, ce n'est pas notre énorme ce qu'ils gagnent. Ok. On va aller sur des exemples. En fait, c'est assez simple. Tout le monde ne peut pas gagner en entrepreneuriat. Ça, c'est un premier point. On est d'accord sur ça. Et aujourd'hui, on va voir que ceux qui gagnent, c'est qu'ils ont la bonne mentalité, ils ont la bonne perception des choses. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils vont voir l'opportunité et pas ceux qui bloquent. Ils vont plus voir l'opportunité. Aujourd'hui, on est à Edu, c'est ça. Oui. Il y avait eu combien d'écoles avant Edu? Il y a eu combien d'écoles qui se créent chaque jour? Mais actuellement, à Niamey, si on te demande c'est la meilleure école, tu dis quoi? Moi, je t'avais à Edu, je dirais. Ok, le public, la meilleure école selon moi. Edu! Je sois à Edu aussi, les gens ici. D'accord, maintenant, il y a eu combien d'écoles? Il y a eu combien d'écoles? Et on est à Edu, mais je veux dire certaines choses. Edu n'a pas les meilleurs résultats. Edu n'a pas les mêmes professeurs. Edu n'a pas la bonne infrastructure. Mais pourquoi aujourd'hui les gens ont peur? Il y a d'autres écoles qui ont peur. Pourquoi les gens disent si je pouvais retourner à l'école, j'allais retourner à Edu? Pourquoi? Je l'ai dit une fois, je vais le répéter, c'est parce que Kader a une cette capacité
à pouvoir réunir les gens autour de lui, à pouvoir faire que cette école, que les gens pensent que voilà, c'est la meilleure école du monde. Pourtant, combien d'écoles? On ne peut même pas les compter. On ne peut même pas les compter. Il est arrivé à tirer son épingle du jeu. Pourquoi? Parce qu'il est bon. Comment ça va? Bon, il est bon. Parce qu'il a su. Voilà. Il a beaucoup de gré, et moi je mets tout ça dans bon. Donc, on te laisse parler. J'ai dit qu'il a su se démarquer des autres. Mais c'est pas que. C'est pas, comme tu l'as dit, c'est pas la meilleure école. Je suis désolée. Ils n'ont pas les meilleurs profs et tout, mais c'est une école genre, qu'on n'a pas l'habitude de voir ici. Donc, il a apporté un truc. L'innovation. Voilà, c'est l'innovation. Et c'est ça qu'il nous faut, nous, les entrepreneurs. C'est ça qu'on n'a pas. On dit, on parle de copier-coller. Et c'est un truc toujours d'innover. Allons vers nos objectifs, genre arrêtons de regarder à gauche, à droite, nos copieurs. Le temps là qu'on perd pour chercher les copieurs, avançons. Donc si je résume, avec qu'on a à gauche un club de concurrents, on ne les considère pas, et parfois le marché aussi, si la concurrence a baissé le prix. Est-ce qu'on continue avec le même prix ou bien on est obligé de s'adapter? C'est leur marketing. Il y a quelque part. Tu as failli quelque part. C'est comme ça. Je peux avoir le nom. Honneur au parcours. Si bien je veux vous dire, ça manque de créativité. Bien que chacun d'entre eux, personne ne pousse, personne ne repousse. Tout le monde est impacté, hein? C'est ça. Ok, la demande, ce qu'on devrait avoir devrait dépasser cela, n'est-ce pas? Ok. Mais, et tout ce que tu vois, les gars, si tu cherches, toi, tu essaies de fuir, sûrement, aucun d'entre eux n'est inspiré de quoi que ce soit. Comme on l'a dit, on revient sur le copier-coller et tout ce que tu veux. Ok, maintenant après le copier-coller, ok, je suis entrepreneur, je suis dans le recyclage des objets. Je fais pas mal de choses. Dans le recyclage, je ne me suis pas spécifiée sur une seule chose. Mais quand même, je me suis focalisée sur le recyclage de l'eau. Avant, j'avais commencé avec les cartons et les plastiques. Quand j'avais commencé avec les plastiques déchets et les plastiques, c'était en 2014. Il n'y avait même pas ça ici même. Et voilà, j'avais l'idée en tête, mais je ne sais pas comment l'exploiter. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais appris. Je me suis auto-formée ma chaîne. J'avais commencé et après j'avais abandonné. Parce que je me suis perdue. Mais c'est ma faute aussi, parce que je n'avais pas cherché comment développer. Après quelques années, quand j'avais foutu la merde à l'école, j'avais quitté l'école en 2017, en L2, parce qu'on a dit, bon, tu n'avais pas le bac, tu es en sous-examen, tu ne peux pas continuer. Et l'école, même, tout le monde sait que je pars à l'école uniquement pour le studio, pas pour travailler pour quelqu'un. Numéro 1. Et tout le monde sait que, oui, ce sont mes ambitions. Finir l'école, étudier bien, et pas pour travailler pour qui que ce soit. Mais je sais qu'avant que je sorte à l'école, j'ai construit quelque chose et c'est ce que j'ai fait avant même que je dégage. Donc ce qui fait que dans mon domaine, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Mais en 2017, quand j'avais commencé le recyclage, j'avais vu qu'il y a une femme qui a commencé ça en 2015, elle s'appelle Anna ici à Miami. Ok, elle recycle le plus, je crois qu'on allait à sa manière. Mais j'avais ça déjà en tête. Maintenant pour innover, parce qu'on est dans la même activité. Pour innover, j'ai amené notre expérience, j'ai renouvelé les choses à ma manière. Maintenant, mais plus, quand je recycle, je fais des designs de produits qui n'ont pas encore ici. Donc, c'est ça qui différencie. Et forcément, je vais valoriser et avancer dans j'attendais. Mais si je disais que je veux me focaliser, ben je vais abandonner parce qu'elle avait commencé en 2015 et que oui, vraiment, elle le fait ça très bien, je veux me limiter à ça. Mais c'est comme
zéro. C'est tout ce que tu avais dit. On va rester en fait. C'est ça. Merci beaucoup. Yacine, tu veux apprécier quelque chose? Moi, je pense que quand on parle de copier-coller, il y a toujours un bon côté et un mauvais côté. Maintenant, tout dépend de toi, où est-ce que tu regardes. Un exemple simple. Aujourd'hui, j'ai mon entreprise. J'essaie tout le temps d'apporter quelque chose de plus. En même temps, je vois qu'il y en a qui m'ont copié. Maintenant, soit je les regarde, je les insulte. Soit je les regarde, je vois, moi, peut-être que je peux copier quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose qui font bien, que moi, je ne fais pas bien. Et à partir de là, exemple. Donc, copier celui qui nous a copié. Bien sûr. Bien sûr, si ça m'arrange. Non, le côté que j'ai bien aimé avec ce que la monnaie a partagé, c'est de ne pas copier seulement. De ne pas copier. Il faut qu'on sente que, ok, on peut te dire que tu as copié, mais on sent qu'il y a ta patte. On sent qu'il y a ta signature. On sent au-delà, oui, tu as copié, mais on sent que voilà, il y a quelque chose que tu as ajouté que l'autre n'a pas. Là, ok, aujourd'hui, qui n'a pas de téléphone ici? Qui n'a pas de téléphone? Personne. Ah, il y a un dans la main et puis tu dis que tu n'as pas de téléphone. Si on regarde dans le marché des téléphones, il y a des téléphones de 100 000 à 1 million. Et qui a déjà vu un iPhone qui est pour lui, on ne paye pas le téléphone? D'ailleurs, les gens vont attendre à la boutique pour qu'on ouvre le matin pour qu'ils payent. Elles sont sérieuses. Ah, elles sont sérieuses. Maintenant, les gens qui sont ici, si on pense à elles, c'est loin. Et qu'on arrive, on regarde eux comment ils ont fait pour arriver à ce stade. C'est pour ça qu'on gagne les 5 000 là. Donc maintenant, si quelqu'un copie celui au disant, nous, on copie sur quelqu'un de de la main et puis on apporte quelque chose. Donc moi ici, en résumé, je peux dire à tous les entrepreneurs que je vais rencontrer demain, que j'ai rencontré des entrepreneurs à la Fara, ils me disent, bon, tu peux copier, mais il faut juste ajouter quelque chose de plus. Quoi. En tout cas, tu peux dire que Yacine Dodo a dit ça. Oui. Oui, Yacine a dit ça. Je vois qu'il y a une seule dynamité sur ça. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas d'accord. Pourquoi tout quelqu'un qui dit qu'il n'est pas d'accord? Moi, quand j'ai parlé des copies, j'avais donné un. Je disais que, exemple, ici à Régie, vous avez créé votre marque de vente, le groupe. Ça m'a plu, c'est joli. À travers ça, je peux m'inspirer et me rapprocher de vous. Enfin, que moi aussi, je décide à donner tout ça. C'est pas mal. C'est copie, mais c'est pas. Mais c'est pas copie. C'est pas mal. Mais on peut copier. Dis-moi. Mais on peut copier un minimum. Il n'y a pas de limite. On n'est pas voler, je viens, je sais pas. J'ai dit la marque mon identité. Maintenant je voudrais créer quelque chose comme ça, mais pas identifié la tienne. Au lieu de la main des gens être pour rien. Ok, maintenant je me rapproche de toi. Là, j'ai volé ou pas? Non mais regarde. Non. Tu vas pas voler pour t'inspirer. C'est que j'aime en fait. Mais Comment je fais, où est-ce que je procure la matière, tu vois? Je t'ai dit là où on fait l'impression, où je fais le design et tout, tu vois? Je ne sais jamais comment je trouve la matière. Parce que c'est comme si tu as eu des problèmes de copier des fils, tu vois? Donc je sais pas si tu marches où en fait.
Il y a rien à sauver la patrie, quoi. Enfin, mais je donne tout. En fait, je donne tout. Je t'ai dit, voilà, prends un tel, prends un tel, mais je dis jamais, voilà. Parce qu'en fait, les gens ne comprennent pas une chose. Tu vois, par exemple, moi, j'ai commencé, je prenais déjà des femmes, tu vois. J'ai mis de bon tissu, je prenais, tu vois, et j'ai pris un peu le business de tout ça. Après, c'était facile pour moi de créer la marque, tu vois. Quand tu as l'argent, tu vois, voilà, marché, tu ne connais pas le fond, en fait. Tu connais, en fait, j'ai des primes tout le matin, tu vois. Mais tu dis, ah, la monnaie, c'est un bon délire, je vais investir. L'argent peut investir, moi, je la tête, tu vois. Ça ne peut pas marcher, en fait. Tu enlèves ton argent, tu vas penser quoi, c'est l'argent qui fait tout, mais ce n'est pas l'argent qui fait tout. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui tiennent debout parce qu'ils aiment la chose, il y a la vocation qui tient debout. Ce n'est pas le bénéfice, en fait. Tu vois un peu, donc fais la différence entre mettre un projet à l'autre parce que tu aimes le projet, parce que tu aimes la vie, il y a l'amour en fait, tu vois. Et quelqu'un qui a juste l'argent, il veut investir, il ne sait pas où, tu vois. C'est le jour des aimes. À coup sûr, il est chiant parce que lui, là, elle a dit, chacun a un don. Tu vois, non. Et lui, le terrain, il ne veut pas creuser au fond du lit, voilà, c'est le but. Mais chacun a des gens à lui, unique en fait. Okay. Après, donc, on peut copier la monnaie. Il y a un gars qui a pris ça, c'est un gars de l'Indien, il a reçu une lettre et tout, il est parti, il a imprimé, et après j'ai pas trouvé, il a fait, quand il a reçu une lettre et tout, il est parti, il a imprimé, et un ami en moi, il m'a dit, un tel, je ne sais pas comment il m'a envoyé. Et je réalise que c'est pas moi qui a imprimé ça. Okay. Après, j'ai fouillé un peu, j'ai trouvé le numéro du petit. Après, je dis, voilà, il est expliqué, voilà, c'est un projet, j'ai travaillé là-dessus, voilà, tu vois. Okay. Il m'a dit, écoute, moi, je sais que voilà, ce que tu fais, c'est pas bien. Mais en réalité, j'avais besoin d'argent. Okay. C'est bon pour moi, tu vois. Après, j'ai un ami, tu vois, avocat, c'est un cigarette, je l'ai appelé, j'ai écrit, et voilà, voilà ce qui se passe. Je veux les avocats, c'est ça, il veut l'argent. Okay. Il m'a dit, j'ai dit non, c'est vrai, je veux business, je veux de l'argent, mais il faut aussi pas oublier son côté humain, tu vois. Oui. C'est en fort. Si je vois plein de petits qui va me rembourser, en fait, qui va payer, qui va. Voilà, j'ai pris ça sur moi et j'ai dit, moi, un test, s'il te plaît, le t-shirt, et on brûle ça, et plus jamais il m'a dit, il a renvoyé, là, et puis, voilà. Tu vois. Mais ça, si tu fais toi, je dis, j'ai pas de problème. Parce que toi, t'es riche, t'es pas fort. Moi, j'ai rien de montrer. Déjà, ce qui est intéressant dans l'histoire, on voit aussi le côté pervers de ça, parce que quelqu'un qui copie la même chose avec ton logo, ton brand, tout. Donc, parfois, quand c'est sur des produits ou de grande consommation, alors même que tu te rends compte que c'est un tel qui fait ça, il a déjà fait peut-être 100 000 exemplaires et il a déjà fait partout. En fait, je t'explique. Les gens ont tendance à rester focus sur le côté négatif du côté politique. En fait, il y a l'avantage à tirer là-dessus, tu vois. En fait, si tu prends un acte, tu l'amènes en Angleterre, mais ça en fait du bien, tu vois. C'est bien parce que les gens, eux là-bas, s'ils veulent se commander, recommander, tu vois, ils vont aller sur le net. Ils ne vont pas passer par le là. Parce que là, tu vois, c'est révolutionnaire, c'est le digital qui voilà. Donc les gens vont aller sur le site, voilà, ils commandent. En fait, c'est sous forme de communication. Aujourd'hui, ça n'a jamais dit mieux quelque chose à Adidas ou à Nike ou. Tu vois un peu, c'est comme elle a dit, il faut tout un point de l'avance. En fait, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour les gens faibles. C'est pas quelque chose facile, tu vois. Si tu sais que tu ne peux pas être déprimé, 7 jours sur 7, il faut arrêter. Parce que, en fait, tu vois, par exemple, les coachs sur Internet, ils n'entendent pas les vrais trucs, tu vois. Je ne parle pas, je ne parle pas de. Mais là, c'est mieux. Oui, là, je ne parle pas d'assis, tu vois. Je ne parle pas d'assis. En fait, ils ne veulent pas être là de dire aux gens. Quand ils donnent conseil, ils disent. Par exemple, tu vois, ils voient ça comme une faiblesse de faire des sports. C'est tout à fait naturel, tu vois. Tu peux faire un sport sur le champ et reprendre, tu vois, c'est pas une faiblesse en fait. Oui. Mais ils disent, non, faut jamais, non, c'est pas possible. Non, faut être sur le champ, tu vois. Je suis d'accord, je me suis toujours. Mais ils disent, non, si tu fais l'espoir, tu sais déjà un échec, non. C'est un échec, c'est l'échec. L'échec pour moi, c'est le point de départ avant de te mettre sur les rails. Oui. Tu vois, non.
tu peux faire l'espoir un temps et franchement débute pour le bon le combat quoi. Tu vois alors. Mais on peut pas nous dire que c'est pas bon de lutter le PS3 parce qu'on s'est passé pour faire un peu en train de vivre dans sa chambre, tu vois. Souvent, elle avait le projet depuis le début. Mais comment mettre en œuvre ça? Peut-être c'est un problème financier, peut-être un problème, tu vois, d'avoir du temps pour mettre en œuvre, tu vois, tout ça là. Oui. Donc, c'est vraiment beaucoup de choses qui traversent. Si c'est un problème financier, ça va encore. Tu vois, alors. Si c'est un problème, ça va encore. Parce qu'à l'époque, il y a beaucoup, tu vois, alors. Mais quand tu sais même pas comment mettre en œuvre ton projet, là, tu pleures. Peut-être qu'à partir de ce moment-là, la veuve va d'abord commencer pour savoir qui va gagner le marché. La demande, tu vois, on souhaite tous les jours qu'on a des clients, parce qu'il y a quoi. Tu vois, si je trouve un contrat qui me fait de fourniture, mais il y a des gens qui n'attendent que ça, mettre un peu de sous-bonnet, un peu de cash, tu vois. Ouais. Même si j'ai pas de moyens de fourniture, mais il y a des gens qui ont de l'argent, qui ne savent pas quoi faire avec. Et tu emmènes un truc comme ça, ils investissent. En fait, c'est très facile, mais c'est difficile d'avoir un client. C'est ça le problème, en fait. C'est pas de vendre ou de tu vois, c'est plutôt le client, combien de clients. Déjà, le Nigérien, tu vois, si tu veux, il est un peu têtu, tu vois. C'est compliqué d'imposer un Nigérien pour le Nigérien. Tu vois, oui, c'est difficile d'imposer un Nigérien pour le Nigérien. Oui, tu l'as pas avec moi. Il va dire, non, attends, il a commencé bien, mais je connais en personne, tu vois. Il n'a rien à m'apporter, tu vois. Donc, c'est franchement, des trucs comme ça, ça décourage pas mal de gens. Je parle des gens qui n'ont pas l'amour de la chose, parce que nous, il y a passé par la page, ça fait 4 ans qu'on est dedans. Et si on doit tenir compte de la vente des fringues, ça fait un truc de 9 ans, 8 ans, tu vois. Donc moi, franchement, c'est pas des choses que tu veux dire, voilà, un tel, faut aller. D'ailleurs, je t'ai dit, quand j'ai pris la monnaie, c'était au moment où c'était un désert, il n'y avait pas de marque, tu vois. Ils étaient là, ils ont arrêté, tu vois, tout ça. Et quand j'étais venu, on m'a dit, regarde, il y a un tel qui a coulé, je vais passer des noms, tu vois, il y a un tel, voilà, ils sont plus là, tu vois. Et toi, tu veux te lancer dedans. Et c'est pas quelque chose que je voulais faire, c'était pas un rêve pour moi, tu vois. J'ai vendu les fringues et à un moment où j'ai fait faillite, tu vois, j'ai fermé deux boutiques. Et dans ce temps-là, j'ai eu l'idée de créer la monnaie. Et c'était pour moi, c'était pas des hashtags et tout. C'était ma vie tous les jours, en fait, tu vois. Chercher l'argent, tout ça. Donc en fait, j'ai commencé par des hashtags et après, je me suis dit, c'était pas un projet, c'était pas déjà. Oui, en 2 ans, je vais faire ma monnaie, c'était pas ça. D'ailleurs, moi, j'ai testé mes marques pour des fringues, tu vois. J'ai refusé de consommer, j'ai réfléchi, mais ça c'est que là, c'est là, tu vois, le talent maintenant, tu vois, business. Tu vois, c'est toi qui vois. Oui, c'est toi qui vois. Donc, en réalité, moi, j'ai, si tu veux, c'est pour venir au bien payer. D'accord? En fait, on n'a rien créé ici. D'accord? C'est juste que, voilà, tu vas prendre l'aise de quelqu'un qui a mal tourné, ou si tu vois, là, tu t'inspires, mais tu ajoutes une petite touche là, voilà, qui fait en sorte que, voilà, qu'on ne dise pas que, voilà, il savait la antenne. Sur les banques, ça existe depuis longtemps, tu vois. Mais au Niger, on peut déjà attendre ça, ça a commencé. Tu vois, non. Donc, à l'idée, moi, franchement, pour qui, moi, je sais que c'est pas pour les faire. Tu vois, ça, même en trichant, même le voleur se fatigue de voler, en fait. Tu vois, oui. Mais moi, j'ai. Tu vois, non. Mais quand tu l'as acheté, tu t'arrêtes pas. Oui. Tu produis tout le temps. Maintenant, ramène le marché de folie, tout, il y en a, tu vois, si je peux le faire. Ayons aussi l'esprit de partage en entrepreneuriat. Pourquoi je dis ça? Et bon, je vais commencer d'abord par ce que lui il a dit. Il a commencé dans un quartier, on le connaît, dans un autre quartier, on le connaît pas. Ça veut dire qu'il y a une concurrence. Ça veut dire que tu n'as pas tapé fort sur la com. Si tu tapes fort sur la com, lui il vient après. Genre, il y aura le choix. Le client aura le choix. Mais toi, déjà, le client te connaît. Ah bon. Mais si le client ne te connaît pas, t'as vu que toi, tu as échoué quelque part. Mais on est jeune entrepreneur, parfois on se lance avec 100 000. Est-ce qu'avec 100 000, on peut faire connaître tout? Non, on oublie ça. On veut grandir, non? Arrête de parler de jeunes. Mais est-ce que tout le monde va connaître votre produit en quelques mois? Et pourquoi il y a des jeunes qui... Il y a des jeunes. Mais est-ce que même... Ils sont connus dans tout le monde. Il y a des jeunes entrepreneurs qui sont connus dans tout le monde. Parce que toi... Est-ce que, par exemple, est-ce qu'ici on ne suit pas tous les musées de Edu? Pourtant la cible de Edu, c'est tout le plaisir. Moi
Ok, donc aujourd'hui, il a demandé à quelqu'un, je vais à Edinou, il dit, c'est quoi Edinou? C'est pour vous faire en plus. Non, là c'est abusé, c'est que tout le monde doit connaître Edinou, là c'est abusé, mais Edinou fait des efforts. Edinou, on était parti à Agadez avec Edinou. Agadez, par exemple, c'est moi. Il y a des gens de Agadez qui ne connaissaient pas Edinou, ils ont connu Edinou parce que Edinou a fait des efforts. Elle n'est pas sur la com, Edinou. Mais même là, c'est pas que Agadez qui connaît, donc ce qui fait quand que. Même Edinou on peut. Okay. Donc il faut aussi faire la part des choses. Et quand tu dis, tu vois, je prends un exemple, et je prends le pays, le Nigeria, c'est un pays qui me fascine. Pourquoi? En matière d'entrepreneuriat, de business, ils sont top en Afrique. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est que tu as le marché de tout Niamey. Tu ne peux pas couvrir tout Niamey. Tu n'as pas le moyen de couvrir tout Niamey. Et il y a ton frère qui fait ça. Il peut t'aider. Tu peux le voir. C'est un business. Tu peux gagner quelque chose sur lui aussi. Mais tu vas te taire parce que nous, les visionnaires, on est égoïstes. On a pensé de la vie. Voilà. Mais là, le marché, tu peux toi présenter et prendre le marché. Tu vas gagner quelque chose. Mais on préfère toujours garder tout pour nous. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on... En fait, d'ailleurs, ça tombe bien parce que ceux qui veulent tout gagner, que les autres les copient, c'est bon. Ça tombe bien. Ceux qui veulent manger seul là, que les autres les copient pour manger avec eux. C'est même ça qui est bien, quoi. Je suis pas d'accord avec ça. Et tu peux perdre parce que moi, j'ai un exemple. Il y a quelqu'un qui a perdu un marché parce qu'il ne pouvait pas, il est dans l'histoire de thé. Il ne pouvait pas couvrir, c'était un marché vraiment. Non, mais là, c'est oui, le milieu, tu vois. C'est un truc personnel qui est là. Il ne pouvait pas. Non, c'est un exemple. On parle de ça et je suis en train d'illustrer. Il ne pouvait pas couvrir. Il pouvait faire recours à d'autres entrepreneurs pour les dire en quoi que ce soit. Ouais, tu vois un peu. Le gars, il va gagner. Peut-être que son nom ne va pas sortir, mais lui, il va gagner quelque chose. Tant que tu gagnes, même s'il n'y a pas ton nom, Yacine, tu gagnes ta poche et bien. Tu peux aller vers ces gens-là, ouais. Ils ne pourront pas t'aider. Dans tous les cas, ça va arriver un jour. Même chez toi, on peut te dire non, cette fois, aujourd'hui, on ne te donne pas. Non, c'est que il y a ton vrai entrepreneur là, il peut t'aider, toi, ton marché là sera. Au moins toi, auprès de celui qui t'a recommandé là, tu vas. Comment ça s'appelle? Voilà, tu vas satisfaire ton client. Là, quand ton compte est bon. Après, même si tu gagnes un peu, toi, le fait que tu aies passé pour le gars, là, ouais. Ton nom, là, c'est déjà... tu as marqué ton nom là, dedans. Mais on préfère abandonner. On peut pas abandonner pour ne pas, parce qu'on va accepter la concurrence. Dans nos têtes, on a toujours la concurrence. Soyons pas toujours pessimistes, en fait. Avec ce que je dis souvent aux gens, pour nous qui sommes là actuellement en tant qu'entrepreneurs, on n'a pas de concurrence. Pour nous qui sommes là actuellement, je vais utiliser ton terme que je n'aime pas utiliser. Tu as tout de suite dit, bon, on va dire nouveau entrepreneur. Je ne vais pas utiliser le terme petit. On n'a pas de concurrence. Pourquoi? Aujourd'hui, on n'est pas assez grand pour dire que voilà, on laisse tout le marché, nous, on va satisfaire le besoin. On a, que je vais dire, des partenaires. Et aujourd'hui, au lieu de vouloir gagner tout le marché seul, ce serait bien de gagner le marché ensemble. Et les gens ont peur de faire ça parce que si tu commences à donner tes clients à ce qu'on pense être des concurrents et que tu ne t'arrêtes pas, ils vont te laisser, ils vont partir. Donne un exemple simple qui est là, qui est fréquent. Là, actuellement, on voit beaucoup de gens qui font les jeunes. C'est un exemple simple qui est là. Mais la question est-ce que les gens qui font les jus naturels arrivent déjà à satisfaire le marché? À eux seuls, est-ce qu'ils arrivent à satisfaire le marché? Non, le marché n'est pas encore satisfait. Maintenant,
eux, ils n'ont pas à se dire que ah, on est dans la concurrence, on est dans la concurrence. Mais on s'aide, on grandit ensemble. Celui qui va travailler mieux que les autres va gagner. Exemple simple, il m'est arrivé à plusieurs reprises de donner des contrats que moi, je ne pouvais pas gérer. Ok. Exemple simple. Quand, là actuellement, j'ai une commande. Exemple, j'ai une commande, on veut 1000 bouteilles. Et que moi, je peux donner 800. Et que le gars, il veut 1000. Je connais des gens qui sont bien, qui font du bon jeu. J'ai dit, ok, là actuellement, moi, j'en ai 800. Les 200, je peux te recommander quelqu'un qui ne fait pas la même chose que moi, mais je lui fais confiance. Et les gens, il y en a qui disent, ok, d'accord, je prends. Il y en a qui disent, non, je ne prends pas, je vais aller prendre des jus gazeux. Mais dans ça, je suis arrivé à avoir d'autres clients. Parce que les gens que j'ai recommandés, eux aussi, d'autres fois, ils vont recommander. Mais si j'ai la mentalité de penser que non, je ne les recommande pas, je mange les 8 ans, et 200, le gars va se débrouiller. Est-ce que demain, on va me recommander? Non, on ne va pas me recommander. C'est la mentalité que nous, on doit développer. On doit être vraiment ouvert. Et c'est ça qui va encore rendre les choses plus palpitantes. Parce que tu te dis, ok, il a le numéro, mais non, dans soi-disant concurrent, que moi, je ne vois pas comme un concurrent, mais plus comme un partenaire. Si je ne travaille pas et que lui, mon partenaire, travaille mieux que moi, le gars, il va arrêter de commander les jeux avec moi. Donc, je dois bosser, je dois toujours être là à lui dire, ok, tu as reçu la livraison, c'était comment tu as trouvé les jus, qu'est-ce que tu penses qu'on peut arranger? Il me dit, voilà, j'ai vu que les jus étaient bien, mais il y a trop de sucre. Ok, d'accord, on essaie de voir comment on arrange le sucre. J'ai vu que les jus étaient bien, mais niveau heure de livraison, j'attendais les jus à 12h30, je les ai reçus à 13h30. Donc niveau livraison, je dois trouver un moyen de livrer à temps. Et c'est ça qui nous fait grandir. Mais penser que non, j'ai des concurrents, je ne dois pas faire ceci, je ne dois pas faire cela, que je dois être le seul à gagner, je dois... Non, ça c'est la mentalité de, je vais dire, qui nous bloque. Et on doit plus être dans une mentalité de croissance, de vouloir grandir, en aidant aussi les autres à grandir avec nous. Ça c'est... On a besoin de ça pour faire grandir ce pays-là. Mais si je dois gagner tout seul... La confiance en soi. Ouais. C'est ça. Ouais. Ça veut que quelque part, toi-même, tu crains que l'autre là puisse te... Tu vois, il faut avoir la confiance en soi. C'est très important. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Ça revient un peu à ce que tu as dit. En bon business, tu ne dis pas que voilà, je ne peux pas le faire, je donne à quelqu'un. Ça ne se fait pas, en fait. Il y a une faiblesse en toi que tu vas corriger. Moi, je suis d'accord. En fait, je ne suis pas contre de te donner mon business. Mais qu'est-ce que les gens font maintenant? Ils sous-traitent. Je ne peux pas te mettre en contact avec mon client. Mais je peux te sous-traiter avec ce que tu fais. Mettre mes entêtes et tout, mon numéro et tout. Mais sous-traiter, c'est pas haram, tu vois. C'est quelque chose qui se fait. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des choses qui n'ont pas un local. Qu'est-ce qu'ils sous-traitent? Ils sont millionnaires aujourd'hui, grâce à ça. Tu peux donner, mais il ne faut pas... En fait, je ne sais pas si vous comprenez. Mais tu ne peux pas mettre les papiers de quelqu'un dans le marché que tu as obtenu. Et voilà, bon, c'est le partage. Chaque entrepreneur est égoïste quelque part. D'accord? Tu ne peux pas tout donner. Tu peux pas tout donner, d'accord? Je ne peux pas tout donner. Je suis d'accord. D'accord? Donc, c'est la vérité. Oui. Même si c'est 1%, là, tu as de l'égoïsme en toi. Tu peux... Je suis tout à fait d'accord. Je me mets au milieu de vous deux. Comme Yacine dit, parfois la concurrence, ça peut nous aider sur le marché. Enfin, ça nous aide. Voilà, il y a aussi des bénéfices et ça nous aide vraiment à bosser, à ne pas relâcher, à nous améliorer et tout ça. Mais comme tu dis aussi, peut-être dans ce type de cas-là, je veux préférer... voilà, même si nous faites la sous-traitance. Je suis d'accord. Le faire du branding, le mener vers mon client qui demain peut-être directement travailler avec lui ou me circuiter. Je ne suis pas sûr que ça soit aussi. Dans le cas des jus là, oui. Tous les jus n'ont pas les mêmes goûts, on est d'accord? Oui. Voilà. Donc si toi tu envoies un jus à mon client que j'ai fidélisé, tu vois? Oui. Hein? Il va comprendre. Il va comprendre, on est d'accord. En fait, les gens, ils mettent l'argent d'abord. Ils oublient le côté essentiel, celui de fidéliser le client. Tu vois un peu. Même ils veulent juste prendre l'argent, tu vois. Ils veulent juste prendre l'argent. Mais fidéliser, ils s'en foutent. Okay. Que le client revienne demain ou après demain. D'accord. Je peux comprendre qu'aujourd'hui, tu as un projet et tu n'as pas les moyens de financer, tu vois, et que tu manques de financement.
Mais je ne peux pas comprendre que voilà, tu as un marché qui est là, sur papier propre, et que tu demandes quelqu'un qui va financer. Il faut te le voir toi-même. Tu as un mauvais comportement qui est là. Je te jure. Si tu... En fait, tu peux manquer un bailleur, quelqu'un qui va financer ton projet, parce qu'il a des doutes, et c'est tout à fait normal, il ne sait pas si ça a marché ou pas. En fait, quand tu as un projet, il y a quelqu'un qui prend d'abord. Oui. Tu as beau sneaker à un bailleur, si c'est du téléphone, lui, il regarde quelqu'un qui veut le stocker. Toi, tu crois fort, tu sais que ça va marcher, mais lui, il comprend, il n'est pas dans ta tête, tu vois. Oui. On peut manquer sur la personne, mais on peut manquer quelqu'un qui a mis des papiers propres, comme ça, il dit que tu as manqué un financement, tu as donné à quelqu'un. Ça ne se fait pas. Tu as déjà perdu. Lui, déjà, il ne te voit pas en concurrent, il te voit quelqu'un qui est faible, qui est là, tu ne peux pas te concurrencer. 10 ans plus tard, tu peux le bondir et donner quelqu'un de grand, mais il ne va toujours pas te respecter. En fait, ce n'est pas genre le partage, tu vois. Les besoins, non, c'est pas ça, en fait. Tu vas travailler, c'est tout, quoi. Si déjà, en fait, il y a des gens qui sont dans des concurrences qui sont même pas basées. Moi, c'était plus fort que moi. Mais je veux la confiance avec toi. Mais moi, je savais que. Toi, non. Je ne veux pas te donner le marché. Mais on peut s'entendre pour faire du business. Oui. Mais moi, avec mon réunion, là, je peux faire du business. Oui. Mais ton entête, je ne veux pas le mettre sur mon livre. Oui. Ok. Mais je ne veux pas te faire du business. Je ne veux pas te présenter à mon client. Voilà, tu vois. Tu veux que tu prennes des. Tu vois qu'il y a ton pourcentage, pas que tu restes dans l'ombre. Okay. Tu vois, alors. C'est ça. Si veut. Je ne suis pas contre le partage. Oui. Nous, on est là grâce au partage. Oui. Moi, on ne se fait jamais. Personne ne se fait tout seul. Quand j'ai commencé mon projet, moi, j'ai créé mon projet. Là, et les gens ont applaudi, ils ont évolué. Et si je suis là encore, c'est grâce à ces mêmes personnes. Moi, je suis lisé, les gens, ils, c'est pas genre, on va l'aider. Non. Les gens, ils croient. Et c'est, si tu veux, c'est ça qu'on peut en faire, en fait. Moi, je ne suis pas dans les coulisses où aidez-moi, voilà, et fait des. Non. C'est mauvais, déjà. C'est un mauvais démarrage, tu vois. Quand tu fais un bon truc, je te jure, les gens vont. En fait, les Nigériens, ils sont exigeants si tu veux. Quand c'est bon, ils font. Moi, j'ai bien compris grâce à la monnaie. Tu vois, quand c'est pas bon, ils s'en fichent. Ils sont hypocrites, non, c'est faux. Quand c'est bon, ils sont là. Quand c'est pas bon, ils sont pas là. Maintenant, si c'est bon avec la personne, c'est qu'il y a un problème personnel qui est là, tu vois. Oui. Là, il faut le voir sur ce côté-là. D'accord. Mais je te jure, les Nigériens, il n'est pas hypocrite. Il est exigeant, c'est tout. Ok. Ouais. Merci beaucoup. Donc, on va. Je sais pas, Abdel, est-ce qu'on a des questions sur le live? Donc, et ensuite on va passer le micro. Je vois derrière les gens sont en train de réclamer. Vous levez les mains. Donc, on va passer le micro. Vous allez avoir 40 minutes où vous allez pouvoir, chacun va pouvoir partager son avis, ses opinions sur la question. Je réponds au nom de Issa Mamadou Traoré Abdraman, le gérant du groupe Unwa. Aujourd'hui nous sommes à la FADA, deuxième édition des jeunes entrepreneurs. C'est une fierté. La FADA, c'est la FADA. Donc, la thématique du jour, c'est une thématique d'actualité. Copier-coller. Hey! Copier-coller au Niger. Hey! C'est une obligation. Tu veux pas, on va te copier. Ça, c'est une obligation. Maintenant, c'est à vous de voir votre personnalité, de voir les choses, surtout votre vision. Dans tous les cas, tu as copié. Qui n'a pas copié ici? Qui n'a pas copié? La personne n'a qu'à se lever et s'expliquer. Qui n'a pas copié? Personne. Mais c'est la vision qui diffère. C'est à nous de voir notre personnalité, mon projet. Et je le développe. Je donne un petit exemple dans le domaine de développement personnel. Un coach. C'est un coach égoïste. Maintenant, c'est quoi? Il est dans le domaine du coaching. Il est en train de développer, il a créé un réseau, le CEL. Maintenant, il a eu un contrat. Même jour, même heure. Deux contrats. Il va faire comment? Il va regarder à gauche. Donc, serait peut-être que quelqu'un a copié, il est d'accord avec lui, il peut tout faire essayer. Et lui donner ce contrat-là, il va gagner. Mais regarde, déjà, la copie au total, c'est pas pareil. Tu
tu peux pas être authentique et demander l'aide à quelqu'un qui t'a piqué. C'est pas pareil, ça colle pas, tu vois. Ça dépend. Si vous êtes des partenaires, comme l'a vécu Yacine, par exemple, nous sommes jeunes. On doit être des partenaires. Par exemple, j'ai un contrat que je ne peux pas satisfaire. Et je sais que c'est un partenaire. Il a copié mon idée. On partage le même idée avec nous. Donc on peut faire partager avec lui un contrat. Moi, je vois ça que c'est. Je voudrais déjà que vous reveniez avec les invités autres. Quoi. Micro. Voilà. Je voudrais que vous reveniez avec les invités autres pour qu'ils nous partagent leur expérience. Comment eux font face pour couper monnaie. Ok. Ça, c'est un. Et le deux, il faut faire la part entre les contrefaçons, parce que la monnaie apparaît de contrefaçon, et le couper monnaie. L'autre intervention, vous avez des produits différents. C'est déjà très bien. Oui. Mais je pense qu'il n'y a pas à faire une comparaison entre les coachs. Vous, votre domaine, on ne peut pas parler de concurrence. Mais tu ne peux pas être coach dans tous les domaines. Il y a des compétences que tu ne peux jamais acquérir. Il faut de la passion déjà pour se lancer. Donc, pour ceux qui font des marques, là où il va falloir que vous partagez, je pense que beaucoup de gens sont venus ici, c'est pour qu'ils partagent avec vous, vous partagez avec eux votre expérience. Si vous avez tiré déjà, il y en a qui ont fait 4 ans, 3 ans, vous êtes à féliciter, à applaudir. Voilà, je ne veux pas avoir de contribution, je veux que vous partagez déjà vos expériences. Voilà, et là, on peut peut-être intervenir. Il y a un truc sur le sujet d'abord. On parle de copier-coller. Réellement, le copier-coller, est-ce que ça existe au Niger? Moi, c'est Hamadou Diallo, je suis le délégué de la Sotamine. Nous sommes dans l'exploitation minière du manganèse et du phosphate. Je me demande, si on va sur le thème, le copier-coller, est-ce que ça existe au Niger? Ça n'existe pas. Vous avez parlé de montre. Ceux qui se sont lancés dans la montre, ils ont juste modernisé les tailleurs. On n'a pas de styliste réel, à part Malmiba ou quoi qui a commencé le truc avec les sachets plastiques. Maintenant, vous allez loin dans les jus. Qui fait quoi? Nous avons trouvé nos mamans faire des jus, ils savent dans les bureaux à la maison, les vannes. C'est juste les nouveaux bouteilles qui sont arrivés et puis les étiquettes. Est-ce qu'il y a du côté pour nous? Maintenant, si on va sur ce que la monnaie a eu à dire, la monnaie, ce n'est pas du copier-coller, c'est de la contrefaçon. Moi, j'ai vu le t-shirt à Zener et je sais que ce n'est pas du copier-coller. C'est de la contrefaçon parce que ça ne répond pas aux normes et ça ne répond pas au-dessus de la qualité de la monnaie. Donc, c'est de la contrefaçon. Maintenant, réellement, il faut dire la vérité souvent aux jeunes. Il n'y a pas de copier-coller. Moi, je suis dans l'exploitation minière, je vends du sujet. Mais comment je vends mon sujet? J'ai trouvé des papas et des grands-pères qui vendent du sujet au Niger, qui sont devenus milliardaires dedans. Mais eux, ils envoient le brut. Moi, je fais tout pour dégrainer ça, enlever les cailloux, mettre dans des sachets, mettre dans des sacs de 25 kg. Eux, ils envoient dans des sacs bruts de 100 kg. Ça, c'est ma réflexion. Quelqu'un peut s'inspirer de ça aujourd'hui, demain, je sais qu'est-ce que je dois apporter à ça pour que ça puisse se vendre. Je vends du manganèse, c'est utilisé dans la fabrication des batteries et tout. J'exploite ça à terrain. Est-ce que je peux empêcher un autre Nigérien d'aller chercher un permis minier? Il peut aller le chercher. J'ai commencé par vendre le brut sur le port de Lomé. Les gens ont commencé à prendre des permis. Je suis parti au concassé à 0,5. Les gens ont commencé. Je suis parti au manganèse en poudre. S'il faut que je transforme ça en lingot au Niger, je vais le faire. L'entrepreneuriat, c'est de l'innovation en continu. Oui. Tant qu'on n'innove pas, tu n'es pas copié, oui. Tu n'es pas volé. Personne ne détient le monopole de l'entrepreneuriat. Et nous avons connu l'entrepreneuriat à partir de la transition en 2010-2009 au Niger. Sinon, si on retourne en 2008, nous tous on était encore sur les bancs. Qu'est-ce qu'on connaît de l'entrepreneuriat? Personne ne copie. Et quand on parle de ADU, moi je reviens sur le cas de ADU. C'est pas parce que ADU a les plus belles filles ou les plus beaux gars de Niamey. Non, quand on parle sur le résultat du BTS d'État, du DAP, du 2B, jusqu'au master, on peut dire qu'il y a une école comme IAT qui donne les meilleurs résultats. Mais ADU a innové en quoi faisant? En montrant aux jeunes, à partir du diplôme qu'il amène chez eux, ils peuvent l'orienter pour qu'ils puissent savoir ce qu'il va devenir demain. Parce que beaucoup ont fait IAT. Moi, j'ai fait transport logistique à IAT. J'ai fini, mais je suis dans le domaine des mines et de l'agro-business. Est-ce que IAT m'a préparé dans ce dans quoi je suis? Mais si j'avais fait ADU, j'allais avoir plus d'expérience, plus d'idées, plus de partenaires, parce que même sur le monde du digital, on allait m'aider. Donc, c'est pas que vous êtes plus beau, c'est juste qu'il a su s'orienter sur quelque chose de très précis. Aujourd'hui, beaucoup volent le copier, mais ils ne pourront pas. Il y a une école comme ADU à Ouaga, IAM Ouaga, qui forme des gens dans le management, dans l'entrepreneuriat.
Aujourd'hui, quand vous prenez les plus grands entrepreneurs du Burkina, les Ebomaf, les Kadhafi, les ATP, les véhicules que vous voyez aujourd'hui, est-ce que parce que Ebomaf est l'homme le plus riche de l'Afrique de l'Ouest dans le BTP, son petit frère qui est à Kadhafi, qui est interviewé aujourd'hui, il va lui empêcher ça? Non. Mais Kadhafi doit amener des innovations. Et c'est ça qu'il est en train de faire sur les tronçons de goudron qu'il est en train de faire au Niger. Chacun est libre d'aller faire ce qu'il veut. Essayez d'innover chaque jour que Dieu fait. Si vous n'innovez pas, vous êtes dans la médiocrité, on ne vous copie pas. C'est parce que vous ne voulez pas évoluer avec le temps. C'est... Merci. Je suis aussi logisticien de formation. J'étais avec le gestion mon ancien sujet, on a fait l'IAT ensemble. Donc moi, je suis dans le domaine de l'agro-industriel. Je travaille actuellement dans une ferme agronomique et j'ai ma petite entreprise de CBS qui intervient dans les intérêts agricoles. J'étais assis chez moi quand j'ai vu l'information sur comment venir à la FADA pour s'exprimer et parler de l'entrepreneuriat. Vraiment, j'ai pris ça en compte. C'est une bonne idée. Je n'ai pas raté. Actuellement, j'ai raté beaucoup de choses pour venir ici. Je sais qu'il y a des choses qui vont sortir, que je vais capter, que je vais écrire et qui vont me servir. C'est ça aussi être entrepreneur. Les occasions qui se présentent, il ne faut jamais les lancer. Il faut se lancer. Les coins, les rues, les tout, il faut se lancer. Aujourd'hui, par exemple, je vois seulement la monnaie sur les réseaux sociaux, je ne le connais pas. C'est une occasion pour moi, je le connais aujourd'hui. Avant-hier, on avait un contrat où on doit faire, je ne sais pas, plus de 300 ou 400 t-shirts. Je ne sais pas qui a appelé, il faut rentrer sur le marché. Mais aujourd'hui, Dieu consomme, je vais prendre son numéro. Parce que déjà, grâce aujourd'hui à Eddie, il y a une occasion qui se trouve pour faire de l'entrepreneuriat, pour faire de l'argent. Et la deuxième des choses que je voudrais parler, c'est par rapport au copier-coller qu'on parle tout le temps. C'est vrai, comme il avait dit, il a son côté négatif et son côté positif. Je vais prendre un peu le relais sur le côté positif. Aujourd'hui, quand vous faites des bonnes choses, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font des choses et qui ne publient pas. Qui ne publient pas, qu'on ne les voit pas à la radio ni à la télévision. Mais pourquoi on ne se demande pas pourquoi? C'est parce que c'est des choses qui sont bien faites et bien organisées. Quand tu fais ta chose bien faite et bien organisée, tu n'as pas besoin de les publier. C'est la population, c'est les gens qui vont les publier. Parce que tu as fait une bonne chose et ça part sur le marché. Et en ce qui concerne les jeunes, aujourd'hui, comme l'avait dit mon prédécesseur, que vraiment nous on n'a pas eu l'occasion de pouvoir faire EDU parce que grâce à EDU les étudiants à partir de peut-être deuxième année ou première année vous avez l'occasion de vous former, de vous orienter. Nous on n'avait pas eu cette chance là de le faire. Mais je vous dis quelque chose, pour ceux qui sont là, pour ceux qui m'écoutent, saisissez encore l'occasion, faites les comment on appelle ça, quand vous partez au voyage et aux choses, partez avec des blocs-notes et écrivez, ne laissez rien. Voyez ce qu'ils font les autres, venez chez vous, implantez avec nous, informez pour que nous puissions partir avec vous, créer des choses et que dans l'avenir, le Niger aussi progresse dans l'entrepreneuriat. Je vous remercie. La mélodie, donc vous voyez juste après, l'idée, au lieu de dire que quand on part à l'étranger, de dire prenez, amenez, faites une copie, collez. Je pense que. C'est des choses que nous n'avons pas. Peut-être tu peux partir ici à, je sais pas, au Ghana, ou l'effet de Moringa aujourd'hui, je ne sais pas pour ceux qui ont l'habitude de le voir, c'est un jeune qui est parti et aujourd'hui il fait de jus avec. Et c'est venu jusqu'au Niger. À Mbaré, j'étais assis, où nos Oriba qu'on faisait chez nous sont remplacés par cette d'Oriba. Oui. Vous voyez un peu l'exemplarité. Quelqu'un peut faire ça ici. Peut-être un étudiant de l'EDU, demain peut nous faire ça, on ne sait jamais. Absolument, et je pense qu'en fait, la thématique là où c'est intéressant, c'est que il y a eu beaucoup d'années, enfin, moi en tout cas, moi je travaille dans le domaine de l'accompagnement. J'ai fait le CIPMEN depuis 2018. Et j'ai rencontré des jeunes entrepreneurs qui me disent parfois, je ne veux pas partager mon idée à qui que ce soit parce que mon idée va être copiée. Et ça, c'est des préjugés et des choses qui restent parce qu'on a entendu à gauche, à droite, un tel a copié l'idée de l'autre, ou bien quelqu'un il est assis devant sa télé, il voit quelqu'un faire quelque chose qui marche, il va dire, ah ça c'est mon idée, je l'ai présenté à tel concours. Sauf que les gens du concours l'ont pris, ils l'ont donné à quelqu'un. Et je rejette totalement ce que le grand frère a dit tantôt. Donc c'est bien aussi qu'on mette les choses en perspective. Que voilà, nous sommes
dans un cadre où déjà, qui, autant que nous sommes, nous nous inspirons d'abord de quelque chose avant de d'entreprendre. Et également, les autres ont aussi le droit de faire la même chose sans pour autant faire de contrefaçon. Donc, tant que ce n'est pas de la contrefaçon, les gens ont ce droit-là. Mais aussi, à notre niveau, qu'on puisse véhiculer ce message pour que tout le monde sait à quoi s'en tenir. Parce que l'objet de cette fois-là aussi, c'est qu'on puisse parler de réalité. Que quelqu'un qui se dit « je ne veux pas partager mon idée pour que ça ne soit pas volé », cette personne, qu'elle sache que tôt ou tard, dès que tu vas sur le marché, tu seras obligé d'exposer à minimum un produit. Et un produit, déjà, c'est des idées qui sont derrière. Et qu'à partir de ce moment-là, ton produit est soumis aussi à l'appréciation des autres. Et les autres, à partir de là, ils ont aussi le droit de faire plus ou moins la même chose. Donc celui qui veut aussi entreprendre, qu'il sache que cela est plus ou moins un chemin qu'on peut quasiment éviter. Donc je vois ici les gens qui sont en train de... Merci. Salam alaikum. Bonsoir. Je suis Oumana Lamine. Je travaille ici à African Development University. J'étais d'abord étudiante avant de rejoindre le staff. Merci pour cette thématique, Faisal. Je reviens sur le sujet, le copier-coller. Déjà, qu'est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce qu'on entend par là, le copier-coller? Moi, ce que je comprends, c'est, tu vois textuellement la chose. La demoiselle assise en face de moi, elle a habillé en rouge, blanc, noir, n'est-ce pas? Je vois qu'elle est comme ça. Demain, je me lève, je veux créer quelque chose comme ça et je crée la même chose. Je copie, je colle, je ne change rien. C'est ce que je comprends. Même la qualité, je ne change rien. C'est ce que je comprends à travers l'idée. Pour moi, ce n'est pas acceptable. Parce que, pourquoi? J'ai une idée. Je vais passer un temps fou à travailler, à raffiner l'idée avec ma marque. Et demain, un autre se lève avec les mêmes détails et il colle ça. Je suis pour que la personne voit ça et qu'elle s'inspire et qu'elle crée quelque chose. Mais avec sa marque aussi. Pourquoi est-ce qu'on a des sociétés de copyright? Pourquoi on a des sociétés qui protègent les droits d'auteur? C'est une propriété intellectuelle qu'on protège. C'est ce que tu crées, ce que tu fais. Donc, quand même, on parle de partager le marché. Bien sûr, une personne ne peut pas se lever et dire qu'aujourd'hui, je vais conquérir tout le marché à moi. Bien sûr, il faut de la concurrence. Et on dit qu'un business qui a de la concurrence, c'est même un business qui marche. Donc, ça nous pousse à développer et à avoir de nouvelles, de l'innovation dans le business. Donc, la concurrence et le copier-coller ne sont même, pour moi, c'est deux choses différentes. Tu peux avoir un concurrent dans son domaine. Ok, je suis dans le domaine de la beauté, de la cosmétique. Je crée un rouge à lèvres. Peut-être mon rouge à lèvres, il est bio. Quelqu'un se lève, il crée, il va, il sous-traite un rouge à lèvres, il met sa marque, il vient, c'est mon concurrent direct. Parce qu'on est dans le même domaine, il crée un rouge à lèvres, je crée un rouge à lèvres. Là, c'est bien, mais que la personne se lève avec les mêmes ingrédients que moi, j'utilise la même marque, le même design, le même logo, c'est pas acceptable pour moi. Merci beaucoup. Une règle là, il dit, on ne dit jamais Rumi sans la main. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être là pour le deuxième épisode de Aïfada. Je suis actuellement la collègue de Faisal et je travaille aussi dans le Aïdad où on accompagne les jeunes entrepreneurs. Ce thème est vraiment important pour moi. Parce que moi, je pense qu'il s'agit d'un thème qui est actuel. Pardon pour ceux qui pensent que le copier-coller n'existe pas, mais moi, je pense que ça existe. Et c'est actuel. D'accord? Maintenant, pour revenir à un aspect, like, à un moment, on était en train de parler, et puis, je pense que le sujet avait dérivé sur la question du marché,
et tout ça. Je me dis que un entrepreneur, il se lève pas pour entreprendre pour dire je vais combler le besoin de tout le marché. Je me lève pas pour dire ok, je suis en train de faire dans le domaine de la beauté, de la cosmétique, je vais faire que pour les gens de Niamey. Ou bien je vais faire pour toutes les personnes de Niamey. Ça, je pense que ça n'existe pas. Et il y a la concurrence qui est là aussi. Mais ce que je me dis surtout, c'est que le copier-coller, on peut copier et coller dans certains domaines, mais on ne peut pas copier et coller dans d'autres domaines. Je m'explique. Dans le domaine fashion, beauty industry, ou bien faire des, je sais pas, la confection de t-shirts avec une marque, vraiment la marque elle-même, je ne pense pas que ce soit normal de copier textuellement la formule de la personne, le design de la personne, pour venir juste coller ça et puis se dire être entrepreneur qui est juste en train de s'inspirer. Ça, c'est de la contrefaçon, c'est du vol. Limite, tu es en train de voler l'intelligence de la personne et tu es en train d'utiliser ça. C'est pas pour toi-même. Maintenant, il y a les domaines comme l'agroalimentaire ou bien les domaines qui sont attirés à l'éducation. Prenons l'exemple de Edu. J'ai entendu Edu est revenu plusieurs fois ici. Prenons l'exemple de ADU. D'accord? Une des choses qu'on veut, c'est pas être la seule université qui a un système avec des arts libéraux, parce qu'on croit dans la vision des arts libéraux. On veut pas être les seuls. On veut qu'il y ait plusieurs personnes qui vont maintenant semer des graines un peu partout pour que des arbres, l'arbre auquel on aspire, puissent pousser aussi ailleurs. Et ainsi, on va avoir une forêt. C'est pas une affaire d'égoïsme ou bien je veux garder la chose toute seule ou bien je veux partager. Les gens, soyons honnêtes, hein, l'être humain, il est compétitif de nature. Il est compétitif. Regarde, même si on va à la même soirée et puis on porte la même tenue, comment on va s'aller? Elle a porté la même tenue que moi, Hayao. Ah, c'est les gens. Je suis d'accord. Partageons. Like, les opportunités, quand on a une opportunité et que le marché est de grande envergure, oui, on n'a qu'à partager entre les gens. On se réunit, on dit, ok, il y a, je sais pas, Fima peut-être qui va venir. On réunit tous les make-up, toutes les make-up artistes et puis on décide que voilà, on va se concentrer sur les make-up artistes du Niger et tout ça. Mais copier et coller textuellement, là. Est-ce qu'on se rend compte de l'envergure de la chose? C'est comme si tu passes quoi? Des nuits à mourir parfois même, parce que pour faire sortir les idées originales qui n'ont pas déjà été créées, ça va être complètement difficile, voire même impossible. Parce qu'on dit que les idées, là, ça vient toujours d'une inspiration quelconque. Mais il ne faut pas confondre inspirer et copier-coller. Tu le mets sur lui. Sinon, il n'y aurait pas de. Il n'y aurait vraiment pas de loi qui serait là pour ça. So, yes. Merci beaucoup, Daniel. On passe le micro à Saïd. Bonsoir tout le monde. Merci à Café Sal. C'est vraiment un plaisir pour moi de me retrouver ici. Je trouve que les jeunes, en tout cas, je n'ai pas vu quelqu'un qui a encore 40 ans dans la place, donc je ne sais pas. En tout cas, merci. Pour moi, j'avais voulu intervenir sur 2-3 points, mais quand même, mes prédécesseurs, surtout le gens qu'il a quitté, il a parlé sur 2-3 choses que j'avais voulu partager au fond. Donc, pour résumer, moi, je pense que l'aspect copier-coller, quelque part, ça existe, quelque part, ça n'existe pas. Ça dépend de quel domaine on veut prendre, ça dépend de quel domaine on ne veut pas prendre. Mais ce que moi je voulais dire pour ne pas faire long, c'est d'abord de se poser la première question, pourquoi aujourd'hui je vais entreprendre, pourquoi je vais entreprendre? Parce que qu'est-ce qui amène le copier-coller? Aujourd'hui je suis dans une débauche totale, donc je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, je vois l'autre, là, il fait juge, je fais juge avec lui. Alors qu'aujourd'hui, tant que tu as une vision, aujourd'hui si je pose la question à ceux qui sont là ici, par exemple, je pose la question à Yacine. C'est quoi la proposition de valeur du Nigeria? Quelle est la valeur ajoutée que le Nigeria apporte aux jeunes qui passent de Nigeria pour être formés? Donc cette proposition de valeur-là, elle est unique à lui.
Même si je fais Nigeria, je vais avoir une autre proposition de valeur qui n'est pas la proposition de valeur du Nigeria. C'est que si on ne peut pas faire la même chose. Et aujourd'hui, il faut que lui se demande où est-ce que je veux que Nigeria soit dans 5 ans, 10 ans. Et ça, il regarde l'horizon. Mais il se dit que je suis là aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour que demain je puisse atteindre ce niveau-là? Et c'est ce qui manque à beaucoup de gens. Et le deuxième aspect, c'est qu'on ne se forme pas. On pense que dans l'entrepreneuriat, on ne se forme pas. Non. Aujourd'hui, comme l'a si bien dit l'autre, en venant ici, il vient se former. Aujourd'hui, il y a des domaines dans lesquels tu es obligé de te former. Elle a soulevé par exemple le propriété intellectuelle. Pourquoi les gens copient les marques des gens? Récemment, il y a une polémique qui s'est passée, il y avait la marque Zamani. Où Zamani disait, ok, on a pris sa marque, les gens vendaient à 15 000, pendant que les gens vendaient à 50 000, autrement. La propriété intellectuelle, c'est important. C'est quand tu commences au début, bon, c'est l'illégal que tu fais, mais à un moment, tu dois être dans une vision où, ok, je dois faire face à des gens qui peuvent copier ma marque. Pourquoi je ne veux pas aller me former, avoir les implications qu'il y a pour pouvoir privilégier, comment on appelle ça? Donc moi, les deux points sur lesquels je veux m'arrêter, c'est ça. Vraiment, tout celui qui veut entreprendre, il va se poser la question, pourquoi je veux entreprendre? Ça, vraiment, tu peux prendre tout le temps, vraiment des centaines de jours pour pouvoir réfléchir là-dessus. Et deuxièmement, c'est quoi ta proposition de valeur? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu apportes aux jeunesses nigériennes? Je prends un exemple très simple. C'est pas pour faire la publication de Edim, une autre école, je n'ai jamais étudié à Edim, donc, mais je connais les gens de Edim. C'est comme il a dit, il a fait le transport logistique à IAT. Mais aujourd'hui, peut-être qu'il n'utilise pas le transport logistique dans son domaine. Il fait autre chose. Moi, ce que j'ai aimé dans l'aspect de l'éducation au niveau de l'éducation, c'est que quelque part, on ne t'impose pas une filière, tu viens de toi-même, et on te donne toute une multitude de choix, où on te fait face à des solutions, à des problèmes, où tu réfléchis de toi-même, et jusqu'à de toi-même, tu choisis qu'est-ce que tu veux faire. Et à ce moment, c'est sorti de toi, c'est pas quelqu'un qui t'a proposé. La plupart des frères qu'on a fait médecine, c'est que c'est le papa qui veut que tu fasses médecine, tu as fait médecine. Derrière, tu n'aimes pas ça. Mais tu vois, mais moi, c'est ça la valeur ajoutée, c'est ça la proposition de valeur. En tout cas, je ne connais pas le modèle économique de Guillaume, mais selon ce que moi j'ai vu. Aujourd'hui, j'ai travaillé avec des gens comme Fessal, comme Lama, comme Doudou. Il y a plein de gens que je travaille avec qui on a travaillé ensemble quand même. Et j'ai vu, c'est des gens, ils n'ont pas fait 2 ans. Mais quand même, en un an, ils ont pu monter des petites choses où ça marche et on voit les résultats. Et aujourd'hui, on voit les résultats que ça a. C'est comme je l'ai dit, vraiment la question qu'on doit se poser, c'est que c'est quoi ma proposition de valeur? Qu'est-ce que moi, quand je fais, ça apporte au Nigeria? Et tu vas voir, tant que tu te focalises sur ça, tu vas voir que tu ne fais pas du copier-coller. Et quelque part, tu as une marque qui est propre à toi. Aujourd'hui, on a un Coca-Cola qui vient du Nigeria, mais ce n'est pas le Coca-Cola qui vient de l'autre côté. Ou on a un iPhone qui vient de marque iPhone. On peut avoir d'autres iPhone aussi qui sont complètes. Donc vraiment, c'est les deux aspects. Et comme je l'ai dit, vraiment, la formation. On ne finit jamais d'apprendre. Les gens pensent que quand ils sont à un niveau, ils arrêtent d'apprendre. Vraiment, continuer de cultiver. Et je pense que ça va aider. Les réflexions, c'est des réflexions que je lance. Je sais qu'on a tout à des avis divergents. Donc, on peut dire des choses qui ne sont pas, comment on appelle ça, qui ne font pas aimer quelqu'un. Donc, pour finir, moi, c'est Cédric Sani. Je travaille au niveau de l'ESAN. L'ESAN, c'est le réseau des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat au Niger. Donc il y a 2 ans, on a lancé une campagne qu'on appelle la caravane des ambassadeurs de l'entrepreneuriat, où chaque année on recrute des bénévoles qui sont 2 ambassadeurs. Ces ambassadeurs-là, c'est des entrepreneurs, qui sont des bénévoles de l'entrepreneuriat. On utilise ces gens pour vulgariser l'entrepreneuriat, parce que vraiment, à Niamey, on a la chance. Tout est à Niamey. Quand tu vas au fin fond du Fala, vraiment, je ne pense pas que les gens prennent ces informations que nous, on a la chance d'avoir. Il y a des gens qui veulent participer à IFA, peut-être qui sont à IFA, ils ont des problèmes de connexion et tout machin, mais ils n'arrivent pas à partager. Donc, le ZAN, c'est un centre qui est ici, au niveau de CIPEN, et qui fait partie du réseau, et il y a plein de choses qu'on fait. Donc, moi, je vous invite vraiment, en dehors de ça, de vous cultiver, en tout cas, de vous former et de vous rapprocher des gens qui peuvent vous aider à trouver les solutions de ce que vous êtes en train de faire. Il ne s'agit pas de critiquer seulement, mais il s'agit aussi de proposer des solutions qui vont faire en sorte que nous tous on peut avancer. Parce qu'on est là pour la même cause, on est là pour le même problème et on est là pour la même chose. On veut tous que ça avance et on veut tous que nous changeons. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Je vais augmenter quelque chose par rapport à ce que Séphine a dit et par rapport à la question de se former là. C'est très important parce que moi, avant de me faire former, je voulais avoir tout le monde comme cible. C'est pas possible. Après, quand t'as dit que non, il faut avoir. C'est pas possible. Tu ne peux pas. Genre, si tu dis que tu vas, tout le monde est ta cible là. Jamais. Tu vas te fatiguer. Non, tu fixes tes filles, tu vas dire ta cible.
Ça dépend. Quand tu as un papa, même la taille qui est là. Oui. Il faut avoir. J'avais juste une seule phrase. Voilà. Donc, si vous voulez vous faire venez à Nigeria. C'est aussi simple que ça. Merci. On va l'écouter. Bonsoir, je me présente, je m'appelle Farida Yaya. Je suis étudiante en animation à l'ING 103. Oui, en fait, c'est. Oui, parler de copier-coller, mais moi je dis, oui, tu peux me copier, mais ça ne fait pas toi mon concurrent. Vous voyez, à un moment, je faisais un petit truc, bon, ce n'était pas pour moi, je le faisais pour ouvrir un peu le marché pour ma soeur. Je faisais un peu de toffee dans le quartier que je faisais, c'était un truc à part, j'avais innové, c'est pas comme les autres toffees qu'on fait, donc je mettais mes propres trucs. Je vendais ça dans le quartier et il y a une fille que je connais bien qui a décidé de faire le même truc que moi, exactement, sans rien changer. Et moi, quand elle a commencé, j'ai pas dit. Parce que des fois, on vient me demander à Vitofi, j'ai dit, il n'y en a pas et puis je ne fais pas. Donc, je ne comblais pas le marché. Il y avait des demandes, malgré le. Quand il a commencé et que je l'ai vu, je lui ai dit, ma chérie, mais ce que tu fais là, moi, ça me fait même pas mal. Hein. Tu m'aides, en fait. Donc, si il n'y en a pas, on sait où aller trouver. En fait, il n'y a pas de rupture de stock. Donc, on ne va pas me vouloir. C'est comme si elle comblait le vide que je laissais. Et il y a aussi le truc de. Si vous connaissez, comment on appelle ça? Un taïti qu'on fait à Zender. Donc, quand j'étais à Zender, vu que c'était ma vie, j'étais en vacances. En revenant, il y a des gens qui m'ont dit amène-nous du algaki, tout. Donc, je suis allée voir. Et ils m'ont dit que je ne pouvais pas en avoir vu que j'étais arrivée trop tard. Et on m'a donné on m'a dit, il y a une fille qui fait Al-Kakida dans un quartier lointain, vers Burmi. J'ai dit, à quoi elle fait ça bien? On me dit, va voir. Je suis partie, j'ai acheté Al-Kaki, j'ai amené ici à Niamey. Donc, j'ai partagé aux gens, tout celui qui goûte, il me dit, non. Ça là, c'est pas Al-Kaki de Zender. J'ai dit, je vous jure, j'ai acheté ça à Zender. Ils disent, mais c'est pas la personne qui faisait ça là, c'est pas ça. Je dis, si tu copies, il faut savoir copier aussi. Si tu copies, que tu n'es pas copié, c'est nul. Ok, merci beaucoup. On va répondre à la question du grand frère, qui tout à l'heure avait demandé qu'on puisse partager les expériences que nous avons déjà eues de copier et de coller. Donc on peut commencer par qui? Bon, moi, c'est Kumalher, je suis juriste de formation, reconverti. Voilà. Dans les senteurs. Oui, dans les senteurs et aussi la mode. Je fais aussi des vêtements, comme ce que je porte. Donc si vous voulez, venez la voir. Voilà. Et tu disais de partager nous-mêmes nos expériences par rapport à. Voilà. Je te donne un exemple concret sur moi. Il n'y a pas longtemps, il y a une amie à moi. C'est une amie, elle, je ne veux même pas dire que c'est de loin, je ne la connais pas, je la connais. Elle a fait la même chose que moi. Alors que moi, je dessine mes trucs. Je dessine, ça sort de ma tête, tu vois. Mais pour moi, je me dis que de la même manière, donc moi j'ai réfléchi, j'ai pensé à ça. Quelqu'un d'autre peut aussi penser à ça. Je ne suis pas la seule à avoir une tête à réfléchir. Tu vois un peu. Mais là, elle est partie vraiment dans le textuel. Elle a payé une robe avec moi. Et je pense que les gens lui demandaient où est-ce que tu as payé cette robe. Et elle s'est dit pourquoi ne pas moi-même faire ça? Alors que moi, quand j'ai fait la robe, là, il y a un tissu là qu'on ne trouvait pas ici. Au moment où moi, j'avais créé la robe. Et maintenant, le tissu, ça se trouve partout à Niamey. Donc, quand elle a fait, j'ai vu ça. Moi, tu vois, plus par elle, je lui ai dit change. Elle s'est excusée et là, elle me demande des conseils. Je ne vais pas lui refuser de conseils. Comme beaucoup feront.
entre nous, beaucoup vont refuser. C'est même ceux qui poussent certains à copier la sœur. Tu peux aider la personne en lui disant voilà une tête, tu peux faire ça, c'est beau, mais pas faire pour mon con pour moi. Tu as été jusqu'ici. J'ai été, non, j'ai son numéro, c'est mon ami. On a parlé de ça, tu vois, quand même, c'est pourquoi moi je le copie-coller. Franchement, c'est pas bien pour la partie, pour le copieur, quand même, c'est exact. C'est pas bien pour son image à lui. Mais moi aussi, je veux pas faire ça, genre, un drame, quoi, tu vois. Je veux aller plus vers mes objectifs. Je vais essayer, moi, à chaque fois d'avancer, au lieu de passer au copieur. Moi, c'est le conseil que je donne à mes confrères ici qui sont traumatisés par... Parce que de près ou de loin, on copie tous quelqu'un. Ça, c'est évident. Merci beaucoup. Vous connaissez d'aller vite pour En fait, moi, je voulais juste que les gens aient la bonne perception des choses quand il s'agit de copier-coller. En fait, dans le copier-coller, vous avez deux choix, soit de le voir mal, soit de le voir bien. Je vous donne un exemple simple. Parfois, votre ami va faire un projet, vous allez penser qu'il vous a copié alors que non, il ne vous a pas copié. Vous pouvez voir le même projet que vous avez dans votre tête. Vous n'avez pas encore lancé ça, mais vous allez voir ça dans un autre pays. Si vous voyez ça au Burkina ou bien à Lomé, quelqu'un qui a fait ça, est-ce que ça peut forcément dire qu'il vous a copié? Non, peut-être qu'il ne vous connaît même pas, il ne connaît personne de votre famille. Il peut avoir la même idée que vous avez eue. Mais comme Seb l'a dit, il y aura toujours une différence parce que peut-être que la valeur que toi tu veux apporter, lui, ce n'est pas ce qu'il veut apporter. Donc, en fait, le concept de copier et coller, c'est vous qui allez faire que ça va devenir compliqué sur vous. Si vous voulez regarder ça bien, prenez ce qu'il y a de bon dedans. Si vous voulez regarder ça mal, voilà, vous n'allez pas durer dans faire d'entrepreneuriat. Ça, c'est comme ça. Maintenant, on a demandé les expériences de quelqu'un qui a déjà copié. Personnellement, je n'ai jamais vu la manière dont je faisais les jus déjà chez quelqu'un. Mais j'ai vu les jus de la femme du quartier. Quand on a commencé, c'est après que j'ai commencé à voir les gens sur Facebook et tout. Et dans l'élan là, ça marchait bien. Un membre de la famille a décidé de se lancer. Quand elle a décidé de se lancer, tous les gens de la famille venaient dire « Ah Yacine, elle t'a copié, elle veut faire la même. » J'ai dit « Mais non, non, laissez-la. Elle doit gagner, je dois gagner. On est de la même famille. Si tout le monde gagne, c'est la famille qui gagne. » Et je vous jure, on va encore revenir au fait que la monnaie n'était pas d'accord. Il m'est arrivé de lui donner des contrats et ça lui est arrivé qu'elle... Elle ne m'a pas encore donné le contrat, mais ça lui est arrivé de me demander « Est-ce que tu peux servir une telle personne ?» J'ai dit « Oui, mais ce n'était pas tombé le jour-là, le contrat n'était pas tombé. » Donc vous voyez, comment vous voyez les choses? Moi, quand quelqu'un me copie, je dis « D'accord, il est juste derrière toi. » Soit tu cours, tu apportes quelque chose que lui, il n'a pas, tu fais beaucoup de choses, tu apportes de la valeur pour encore garder tes clients. Soit tu le regardes, il te copie et il vient te dépasser. Donc à toi de voir comment tu regardes la chose, à toi de voir comment... tu peux tirer profit. Et je vous dis, les gens qui copient, parfois vous pouvez voir quelque chose chez eux que vous n'avez pas. Mais allez-y, copiez. Quand on copie aussi, on ajoute après. Donc, ne voyons pas juste que il m'a copié, il va voler mes clients, il y a ceci, il y a cela. Non, il n'y a pas ça. Je suis d'avis avec lui que le copier-coller n'existe pas, mais il y a un concept qu'il faut. Ça existe, mais de quelle manière je le vois? C'est la manière dont je le vois, c'est ça qui veut vraiment. C'est ça qui. Voilà, c'est la perception qui compte vraiment. Oui. Moi, ce que je dirais, même si la personne me copie, ça ne me dit absolument rien. En échange, ça me donne l'avantage de passer à la vitesse supérieure. Moi, ça ne me dit rien que tu me copies. Ok, si tu me copies, moi je peux. Par exemple, si on dit sur l'expérience que j'avais, et j'avais quelqu'un que j'avais un projet que j'aimerais réaliser, j'avais partagé avec la personne ce sujet-là, et voilà que ça va donner. C'est sûr que voilà. Et après, je vois qu'il est parti de l'autre côté, il a réalisé ça. Ok, mais ça m'a fait, ça m'a fait fier. Au contraire.
ça a été bien. Pour moi, mais pas pour lui. Mais ça n'a pas empêché à ce que je tape fort. Ma vie, je fais quelque chose plus que ça. Même projet, mais pas les mêmes concepts. Toutefois que je vais créer quelque chose et que tu essayes de copier fausse, mais ça, c'est la prochaine fois, tu vas pas y croire, en fait. À chacun sa manière. Ok, merci beaucoup. On va s'arrêter là, c'est l'heure de la prière. Donc, nous allons aller prier, revenir. On a le Niems qui va descendre tout de suite. C'est aussi. Donc, il y a le Niems qui est là. C'est Niembe. Une question rapidement, Bella. Une question de Drissa Dapiki Hamza. Très bonne initiative, Edio. En fait, ma question, est-ce possible même d'en vouloir quelqu'un s'il veut copier au moment où vous ne pouvez pas couvrir tous les besoins? Est-ce que c'est possible d'en vouloir à quelqu'un s'il le copie au moment où on ne peut pas couvrir tous les besoins? Yassine. Je vous jure, la plus grosse erreur, c'est de lui en vouloir. On n'a pas ce droit. On n'a pas le droit d'en vouloir à quelqu'un parce que lui est en train de se chercher. Donc, on lui en veut parce qu'il veut manger son pain. Non, les gars, on n'a pas ce droit-là. Ça va être hors de moi parce que je ne comprends pas pourquoi on veut à quelqu'un alors que même si c'est notre idée qu'il a pris. Chaque fois, je vois, qu'est-ce que moi je fais? Comment moi je travaille? Comment moi je fais en sorte que oui, même si ma copie ne pourra jamais atteindre mon niveau, à quelle avance j'ai subi? S'il m'atteint, c'est que c'est moi, je suis nul. Si je suis moi, il ne pourra jamais m'atteindre. J'ai des longueurs d'avance sur lui. Eh bien, si vous êtes aussi du côté où vous pensez que vous êtes nul, vous n'allez pas à gérer, venez voir le Gérois. Nous, on va vous aider. Merci beaucoup, merci. Donc voilà, on va aller prier. Les gens se sont exprimés. On n'est pas forcément d'accord, mais je pense qu'on aura appris les uns des autres et les expériences des gens. Et que j'espère que nous allons en profiter pour faire des rencontres. Et voilà, donc on se retrouve tout juste après la prière. Merci.